Salutations, petit capitaine et grands amiraux, ou petits amiraux et grands capitaines, qu'en sais-je. Ici Stark à votre hôte et nous sommes de retour sur une vidéo de World of Warships dans un premier de la classe avec le Minotaur, eh oui, qui est mené par Kerry67, un des nouveaux membres de notre clan, les ADML, donc n'hésitez pas non plus enfin, si vous voulez postuler au clan, il n'y a pas de problème. Du moment que vous ayez une petite appétence quand même pour les batailles de clans, on recherche surtout des gens qui aiment bien ça et qui ont des navires tier 10. Donc, que va nous faire notre petit Kiri67 avec son Minotaur? En face, il a un Akuryu. Donc, Akuryu, pardon. C'est Akuryu, Akuryu, ouais. Montana Yamato pour les cuirassés. Ah, il n'y en a que deux, mon cuirassé. Salem, Hindenburg, Zao, Yoshino, Stalingrad. Ouf, que du beau en face. Dering, Z52, Shimakaze, Khabarovsk. Et dans son équipe, il y a un Akuryu, Montana République. Salem, Minotaur, Hindenburg, Yoshino, Smolensk pour son équipe. Donc aussi pareil, il y a du gros lourd là. Il y a du gros lourd, il y a du lourd, excusez-moi. Donc Kléber, Z52, Shimakaze, Grozovoy. Le Kléber est une sacrée bête. Hein. Je sais que je l'ai affronté avec des cuirassés et des croiseurs. C'est une sacrée bête qui vous fait très très mal. Il s'appelle Cheval sans sas en plus. Bien, nous sommes donc sur une carte ABC. Domination avec une tempête à l'horizon. Super. Va-t-il en profiter un max ou pas? C'est là l'intérêt. On va regarder un peu ça, tout ça. Alors, il va faire C. Je pense que c'est la meilleure solution pour lui de soutenir le destroyer de toute façon. Un peu loin. Mais il bon, ça va. Il est repéré. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est pas loin là. Il y a un destroyer pas loin dans les environs. Ah oui, il y a un croiseur là, voilà. C'est bon, et puis il n'est plus du tout repéré. En fait, moi, le Minotaur, j'ai du mal à le jouer, mais dernièrement, j'ai fait une bataille par erreur. Je voulais faire une bataille en coopération pour le tester, à nouveau. Et en fait, je suis parti en bataille aléatoire et je me suis débrouillé. Donc, j'ai bien envie de tester, en fait, comme ça, les navires à tir rapide comme la Rougoumo aussi, en destroyer, le Minotaur en croiseur, qui est quand même pas mal parce qu'il a un écran de fumée, donc on peut s'y simuler. Moi qui suis un gros lâche en croiseur. C est en train d'être prise, B est en train d'être prise par l'ennemi. Il y a un destroyer sur B, mais qui est tout seul. Il n'est pas aidé. Un Stalingrad en vue. Ah, il est bien placé là. Tirer sur tout ce qui bouge. Ouais, puis il y a un Montana, allez hop. Oh, Citadelle sur le Stalingrad! Non! Wow! Il était bien de flanc là, le Stalingrad alors à ce moment-là. Hein. Qui fait attention. Ouh là oui, parce que là, Stalingrad l'a vu et il a tiré là. Aïe 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 aïe. Oh! Pas mal quand même. Un ch'ti peu mal. Oh bah là, j'ai ma casée. Allez, il faut y aller. Donc il a 8 km là, il faut le finir tout de suite. Là, oui. Heureusement qu'il y a des marqueurs de torpilles parce que sinon. Je verrai jamais venir quelqu'un qui lui tire dessus pour essayer de l'avoir là-bas. Raté. Ah, il y a Trof US mort. Morik qui a reçu une sanction. Bon, pourquoi pas. Ah, il doit pas être content le Stalingrad là. Hein. Surtout qu'il a pris une citadelle au début. Non plus, je serais pas content. Hein. Je déteste quand un Minotaur me tire dessus. Hein. C'est vraiment l'horreur quoi. Ah, le Stalingrad va essayer de me faire mal. Ouais, il a touché encore. Il est pas mauvais hein, le Stalingrad. Hein. Il a réussi à bien gérer son tir dans la fumée. Et à sa place, je serais dégoûté aussi. Attends, quand je suis découpé en morceaux par un Montana, par un Minotaur, ou par un Smolensk, ou par un Orogumo, je suis dégoûté en fait. Surtout quand je suis un cuirassé. Pour l'instant, un navire perdu de l'autre côté. C'est la République qui prend cher. Ok, le gros envoyé pas loin. Je conseillerais plutôt de réparer là. Si c'est possible, mais bon, c'est pas obligatoire. J'ai désolé Shima pour avoir pris tes torpes.
Cheval sans sas. Capriator, pas. Il est où cheval sans sas? Cheval sans sas, c'est un Kléber. Demi-tour, ouais, c'est pas mauvaise idée. Il faut se débarrasser du Shimakaze à tout prix. Grosovoy est là pour ça normalement. Il y a Kabarov qui est là aussi, c'est vrai. Ouais, il est temps. Tente de s'en libérer de ce Shimakaze là. Touché, mais rebond. Touché, encore rebond et non pénétration. Kléber est mort à cause du. Parce qu'il a pris des torpilles apparemment. Espérons qu'il touche pas la République ou le Grosovoy avec ses torpilles. Ah bah il est détruit donc c'était pas la peine. Il devrait avertir quand même que ses torpilles sont en route. En fait ça se trouve il est premier de la classe parce qu'il a détruit ses congénères. Ok. Le République sans pas prendre ses torpes. Espérons en tout cas. Ouais c'est bon. C'est bon, personne n'a pris ses torpes, heureusement d'ailleurs. Et ça a forcé le République à changer de cap, ce qui peut être un problème. 3 navires détruits quand même en face déjà. Hein. Wow. Pourquoi il n'utilise pas sa réparation, je sais pas. Oh là là, le Montana se fait découper. Hindenburg, ouais, vaut mieux rester comme ça. Voilà, bah, fallait le faire. Ouais. Il va finir au Stalingrad à tous les coups, d'aller voir. La République a détruit le Montana. Logique. Kabarov à détruire aussi là. Le navire qui le vise. Manqué, il peut y démarrer. B et C sont toujours prises. Aucun problème. Ah, B est en train d'être prise par quelqu'un d'autre. Il y a un croiseur. Deux croiseurs en fait. Montana, le préfet de la République va mourir à mon avis parce qu'il a très peu de plans de structure. Le Chino Hindenburg pourrait l'aider mais ils sont cachés derrière leur île là-bas. Quelle bande de lâches. En pleine tempête maintenant. Ah il est en train d'être pris par un destroyer. Oh Kabarov c'est très rapide mon ami. Vraiment très très en avant on peut tirer. Oula il y a un croiseur aussi de l'autre côté. Attention au croiseur là. Salem. Salem aussi là. Il est bien découvert maintenant, il a tiré donc il va se faire détruire. Le Yoshino aussi, ouh, ça fait du monde ça hein. 53 secondes avant la fumée, ça fait du monde. Et il s'est bien placé quand même là, bravo. Hein. Faut vraiment qu'il ait le Khabarovsk. Il se croit immunisé mais il se a déluge de fer et de feu là. Enfin surtout du fer d'ailleurs, enfin de l'acier. Ah, il faut l'avoir le Khabarovsk, hein. Il faut l'avoir. Voilà, bravo. Maintenant, il peut se concentrer sur le Salem. C'était chaud, c'était chaud. Évidemment, il est plus repéré. Ouf. 73 000 points de dégâts infligés, un navire coulé. Avec un peu de chance, les torpilles vont toucher le Salem. Il y aura un tout petit peu de chance, mais je pense pas à mon avis.
Stalingrad enfin détruit par les Yoshino. Bon, c'est bon là, ils ont abaissé, aucun problème. Le pauvre Inenbo, il a pas demandé à être. En deux torpilles. Ouf. Ou c'est chaud, 224. La terre a pu tirer en fait. Allez, allez. Allez, ne pas mourir bêtement. La réparation est très peu de temps, c'est le moment ou jamais. Le Yoshino est pas loin, il peut lui mettre une branlée aussi. Le Zao est à 19 km, ça va, mais c'est Yoshino est tout près là. Quand t'es Yoshino, je vais tirer dessus. Moi. Oh. Aïe aïe aïe. Aïe, 10 000 points, eh ben. Oula, il a eu chaud là aussi, il a eu chaud. C'est un avion ça qui est dans ces torpilles, j'ai l'impression. Il n'a pas été attiré, je pense que le Yoshino peut le repérer. Je sais pas combien de kilomètres il est repérable en fait dans cette fumée. Oh. Ah, il est pas repérable très très loin. Il est, vraiment c'est horrible quoi. Ouh, torpille coulée, bravo. 125 000 points de dégâts. Wow, il peut même finir l'Edenburg avec un peu de chance. Putain, dans la fumée du. Enfin, dans l'obscurcissement des. C'est bon, Yoshino détruit l'Edenburg. Ils sont plus que 4 en face. Bravo à lui. Salem à 10 km. 3. Wow, c'est chaud. Hein. C'est bon, la réparation bientôt. Il a eu très très chaud aux fesses. Les ennemis récupérés A, mais c'est pas grave. De toute façon, il reste 7. Navire dans l'équipe amie, 4 dans l'équipe ennemie. En plus, ils ont 5, ils ont four. Ils ont 420 points d'avance. Ouais. Salem pourrait l'avoir, mais ses tourelles sont tournées en mauvais sens, je crois. Allez, adieu, Salem. C'est pas lui qui l'a eu, c'est dommage. Le Daring est là-bas. Oh, ils savent qu'ils ont perdu de toute façon maintenant. Ils n'ont plus rien à perdre. Zao qui s'appelle Rambo 7 Carambo. D'accord. Ça sert à rien de tirer sur le destroyer, c'est de gâcher des munitions pour rien. Le Zao par contre, lui, pourrait être intéressant après un moment. 129 000 points de dégâts, ça va. Date 52 détruits par le Daring. 6 à 3. Et il y a un croiseur qui est en train de reprendre A là-bas. C'est Salem. Salem, you imbécile. Ah, ok, pourquoi? Ah, parce qu'il a pas soutenu, je pense. Il y a un destroyer pas loin. Ouais, le Daring va y passer, je pense, rapidement si le Salem s'y met. Je dirais que le Zao tire sur le Salem. Ça va, avec les dispersions, il est à peu près sûr de toucher quelque chose. Zao détruit Salem, voilà ce que je pensais aussi. Avec un peu de chance, il le détruit aussi. Le Zao s'est mis sur lui, je pense. Faites très attention. Les avions arrivent. Ah, je sens que les abus arrivent sur le Minotaur. Ouh, touché mais pas grand chose. 130 000 points de dégâts pour l'instant, deux navires coulés. Ah, c'est pas mal, hein, c'est une bonne vision du jeu en Minotaur. Sachant que bon, dans son écran de fumée, il a été un peu vulnérable à un moment, s'il était très près des navires ennemis.
Il a pris des risques qu'il fallait, je pense. Après, il était vraiment eu beaucoup de chance. Avec les 224 points de structure qui restaient. 819. Ouh, le Zao qui essaie de l'avoir. Manqué. Ouh, 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 ouh. Ah, tant pis, c'était pas. C'était pas armé. Oh, il y a le Daring qui tire dessus aussi. Oh, la Kuriyu là-bas. Raté. Il a raté cette torpille, la Kuriyu, tant mieux. Il devrait finir aussi le. Il devrait aussi finir le. Comment s'appelle le Zao, mais bon. Là, c'est une cible plus intéressante et plus appétissante, ça c'est sûr. À 11 km, on va pas se couper, hein, je veux dire. Zao est tout prêt. Par contre, c'est là, on voit que le pont est blindé. Hein. Moi, je serais pour finir le Zao d'abord. Le Zao était pris par le gros Zavoy. Il reste plus que le Kuriyu. Putain, on voit le pont blindé, y a rien qui passe. Y a rien qui passe, quoi. Incroyable, il touche. De folie, mais rien qui passe. Bravo en tout cas. Très belle partie. On se retrouve pour les écrans de fin. Il n'y a que deux seulement. Bon, faudrait qu'il la prochaine fois me fasse passer le 3 et le 4. Et moi je vous dis à une prochaine vidéo. Très belle partie à toi en tout cas, mon cher Kiri67. Et à très bientôt. お前はもう死んでいる。何？